Voilà, j'ai l'oreille qui gratte, c'est bon. Alors. Ah, on coupe. Voilà. Attends, on vérifie quand même. C'est bon. Allez, on est parti pour live live. C'est un jeu qui a l'air bien, même s'il a 1 million d'années, que j'ai jamais fait, parce qu'il existait qu'en japonais et qu'à l'époque, bah voilà. Encore moins bon en japonais que maintenant. Et du coup, ils ont fait un remake. Ils appellent les 2D HD sur Switch. Peut-être sur autre chose, mais en tout cas, moi je l'ai sur Switch. J'ai utilisé une fonction de sauvegarde automatique, ok. Donc c'est un RPG japonais qui se passe sur plusieurs époques, avec plusieurs personnages. Et c'est tout ce que je sais du jeu. Ouais, c'est. Alors, paramètres. D'accord. Langue audio, japonais. Ok. Ça, ok. Ça, ok. On va dire ok. Du coup, quand je vais les mettre sur YouTube, je vais essayer de couper chaque vidéo par histoire. Mais je promets rien parce que j'ai une grosse flemme. Alors, sélection du chapitre. Sur proche, c'est avec l'œuf, ok. Japon d'Edo, c'est avec Michel, ok. Chine impériale, c'est avec Robert, ok. Le présent, c'est avec un mec qui est vachement stock, quand même. Préhistoire, Far West, futur proche et donc futur lointain. Donc il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 personnes. On va commencer par la préhistoire, parce que je pense que c'est le plus loin dans le temps, et que c'est le truc où j'ai le moins à parler, et ça c'est cool. À une époque oubliée, avant les rois et les royaumes, un jeune homme entrant dans l'âge adulte reçoit une du sévère patriarche de s'attribuer la permission de partir à la chasse avec son meilleur ami Goli. En l'absence de langage, il se fie à leur sens pour survivre, notamment à leur odorat puissant. Guidé par leur nez, il traque le gibier et cherche refuge tout en découvrant un monde et ses dangers. Et la préhistoire, dans ce chapitre, oui. Donc j'avais commencé à le lancer, du coup j'ai vu la scène d'intro, mais je me suis arrêté à la scène d'intro.
Je... Regarde. La préhistoire, le tout premier. Effectivement, c'est du coup le premier truc que j'ai commencé. Alors, attention, les noms ne peuvent pas être changés. Du coup, on va garder ceux par défaut, hein, parce qu'on est con. Pogo, voulez-vous qu'on fasse ce nom? Oui. Alors, le radar dans le coin inférieur droit de l'écran vous indique les zones non explorées et la direction de l'objectif actuel. Vers les zones non explorées, vers les zones explorées, vers l'objectif, objectif. Vous pouvez activer ou désactiver le radar avec l'option afficher le radar dans le menu des paramètres. Pour indiquer le... Pour quitter le chapitre en cours et en lancer un autre, ouvrez le menu principal, X, et choisissez les paramètres, puis retournez à la sélection des chapitres. Si vous lancez un chapitre précédemment joué, vous reprendrez la partie depuis votre dernière sauvegarde. Ok. Cucu. Et coucou Daki du coup. Obtenu un bâton. Est-ce qu'on peut l'équiper? Alors, équipement. C'est un peu trop joli. Ok, pourquoi est-ce qu'on me file un objet qui est moins fort que celui que j'avais? J'ai pas le droit aux items, j'ai pas le droit au bonheur, très bien. Compétences. Bang bam, frapper un méchant avec hache. Frapper un méchant avec pied. Formation. Du coup, j'ai un seul mec. Ah, on peut en avoir 4, ça veut dire. Attends. Attaque, attaque physique, ok. On va commencer par sauvegarder, évidemment. Et on a droit à 20 emplacements de sauvegarde, ce qui est beaucoup mieux qu'un Pokémon, par exemple. De Pokémon parce que j'ai très envie que Scarlet et machin sortent. Du coup, je l'ai recruté instant. Ok. Ah, sauf qu'il est niveau 4, Michel. Et lui, Gorille, du coup. Garogo, enfin ta gueule. Voilà. Putain, c'était rapide. Sauf que je ne sais pas où est l'avant et où est l'arrière en fait. Alors, dit comme ça, c'est terrible. Bah si, je peux jouer à ça. Sinon là, je suis sur FF, mais je suis addict à Dreamlight Valley. Ah oui, le fameux jeu de... Où tu ramasses des plantes. Enfin, où tu déronces des racines des ronces. Cucu. Ok, donc le vieux. Et à gauche. Et qui probablement attend. Très bien. Écoute, j'en prends bonne note. Au moins, ils ont pas menti, ils parlent pas. Eh, mais c'est des Kallax!
Beau. Pierre dure. Un bâton. Un fusil d'assaut, quoi. Oup, oup. Ah, j'ai pu m'en équiper, ok. Ok. Parka et Prima, ils ont inventé une langue pour la préhistoire. Oui, j'y ai joué en plus, sur PS4, je crois. 3, 5. Faut aller là où il y a 5, c'est ça? J'ai rien compris. Ah, faut trouver là où il y a le plus de monde, c'est ça? Peut-être. Ah, d'accord. Commencer l'histoire a l'air cool. L'histoire avait l'air sympa, ouais. J'ai pas eu le temps. Faut bien l'advoyer, j'ai autre chose à foutre. Alors, faut trouver là où il y en a le moins. Ok, du coup c'est random. Très bien. Wow, wow, wow. J'aurais dit là. Ha ha! Ils ont des sacrés pouces. Un bâton, un os, une corne de bête, un croc de bête, une peau, un string en... Pardon. Pierre dure aussi. On a récupéré 50 000 trucs, mais je ne sais absolument pas à quoi ça sert. Il peut mettre ça ou pas? Non, il n'y a que moi. Ok. Dommage qu'on voit pas le changement d'équipement. Ah, lui, il peut mettre les peaux aussi. Ils ont réussi à faire des visages mignons. Je le trouve plutôt sympa. Enfin, graphiquement, en tout cas, je le trouve plutôt sympa, le jeu. Après, je connais pas l'original. Faut retrouver Gori. Ok. Il est à droite. Je l'ai vu. Et rien que dans ce mini-jeu-là, il y a plus de variété que dans un Fall Guy. Ah. Je rigole, hein, mais... Il y a effectivement de la variété dans un seul mini-jeu, c'est assez marrant. Bâton, os, corne, croc, machin, rimf, je vais au côté ouf. C'est un glissant, ouais, tout à fait. Ah, mais je suis comme ça, j'aime bien me moquer. On peut pas, on peut pas, on peut pas, on peut pas, on peut. Ok. Bon, vu que je ne sais pas à quoi servent les items, on va avancer. J'aime le taquinage. Le taquinage artistique. Ah oui, donc tu es con. Très bien. Et techniquement, taquinage artistique, ça glisse. Oh mon dieu! Ok. Il m'a fait peur avec sa tête énorme. Un zos. Attends, il y en a un autre. C'est vraiment des calax ce truc. Je reconnais, j'arrête pas de fouiller Ikea. Est-ce qu'on peut retoucher le feu? Oui. Donc il est excessivement con. Que crois-moi, j'ai touché un fer à repasser, je le referai plus jamais. Peut-être parce que je me suis pris un jet de vapeur dans la main et que du coup... J'avais perdu toute ma peau, mais... Et j'ai compris qu'il fallait pas y toucher. Ah. Je crois qu'il s'enfuit. Ok. C'était fin. Lui aussi, il s'enfuit. Il a invoqué le vent. De quoi ? Ok. J'ai l'impression qu'ils sont partis en roue libre, les mecs, quand même. Ok, il y a une Beyblade. Bonjour.
Lui, il me fait peur. Alors l'objectif, c'est en haut à gauche. Du coup, on va aller dans tous les autres endroits. Améliorer un robot. Mais on est dans la préhistoire, Michel. Bâton, pierre, hache. Vendu. Variété d'objets. En combinant deux objets, vous pouvez en créer un nouveau qui sera peut-être plus utile. À vous de tester différentes combinaisons pour découvrir de nouveaux résultats. Alors, on va mélanger... déjà, on va tester justement pierre dure et bâton. On va tester os et peau pour faire une armure, voir si ça marche. Vous avez obtenu une hache puissante. C'est quoi ça? Je sais pas ce que c'était. Os et peau. On va tester avec os et peau séché, connard. Un bonnet en peau de bête. J'ai failli pas dire bête et dire autre chose. On va tester... On va tester quoi? Pierre et peau séchée. Peut-être qu'on va pouvoir faire des bolasses ou en... une fronde ou une connerie, je ne sais pas. Un gangbang. Ah, il faut bien prononcer quand. J'ai aucune idée de ce qu'il nous signifie avec ces trucs. Ah, ça veut dire, est-ce que tu veux continuer à forger? D'accord. Je viens de comprendre. Je ne suis pas complètement teuteux. Bâton et os. De toute façon, on va tout tester, hein, parce qu'on est con. Une lance en corde. Très bien. Du coup, on va tester... Ah, c'est pierre, je sais pas ce que ça peut donner. Un couteau en pierre, bien ça. Est-ce qu'on peut s'en servir pour forger encore? Est-ce qu'il y avait le symbole de matériel? Ah oui! Le couteau est pointu et fait mal quand on lance. Un couteau et un bâton, ça fera peut-être une baïonnette. Une lance rapide. Alors je suis teuteux, hein, je vais continuer jusqu'à la mort. On va étayer peau et peau séchée si j'ai. J'ai plus. Je sais plus si j'ai fait corne et bâton. Il me semblait que oui. Du coup, on va tester peau séchée et croc de bête. J'aurais pas dû faire ça. Masque rire. Du coup, on va peut-être se faire une deuxième lance. Parce que je me suis peut-être gouré. Bâton et corne. Est-ce que j'ai essayé déjà? Alors, je crois que j'avais fait corne et peau, un truc comme ça. Une lance en corne. Non, j'avais déjà fait la lance en corne. Zut. On va voir si on peut continuer à récupérer du matériau. Du coup, lui, il peut mettre le bonnet. Lui, il peut up son attaque spé. Genre vénère. Je vais se mettre ça. Ok, lui il a rien, très bien. Lance rapide, vous avez beaucoup de dégâts. Lance en corne, c'est moins bien. Hache puissante, ça a l'air bien. Bâton, c'est de la merde. On va se mettre une lance rapide. Gangbang, attaque physique, ok, je prends.
Alors comme je l'ai dit, je suis débile, du coup je vais aller re-récupérer des items. On va déjà aller visiter là. Si ça se trouve, il y a des trucs en... encore mieux. Il y a de la bouffe. Il est con lui. Ça fait peur. Il y a des trucs ici. Je trouve plutôt joli comme jeu. Je sais pas ce que vous en pensez, mais. En fait, ça me rappelle Octopass, mais en bien. Normal, vu que je crois que c'est le même moteur, mais. Il n'y a pas le flou cinétique dégueulasse de. Alors, il l'a un peu en premier plan, mais pas. Pas partout. Et ça, c'est bien. Octopass, je le trouvais flou. C'est de la Super NES? Pas du tout. C'est fait sur Unreal Engine, ça. Mais il est sorti sur SNES à la base. Et là je suis sur Switch. Et sur Super NES, très clairement, t'aurais pas eu le radar en bas. C'est pas là que je peux aller. Le truc à Dragon Ball, très clairement... Neller. Retrouver là où il y a le plus de monde. Très bien. À droite. On n'a aucune idée, mais j'ai l'impression que c'est à droite. Eh, comme quoi on n'est pas si con que ça. Bâton, os, corne, croc, peau, peau séchée, pierre dure. Ah, je crois que j'avais fait peau séchée et caillou. J'aurais dû noter en fait. Le moins. Ok. Aucune idée. Je vais dire là, mais absolument pas convaincu. Merde. Ok, faut trouver Gorille. Il est là. Ok, il est à droite. Mais il est facile. C'est le plus simple d'entre tous. J'ai le nez qui gratte, c'est affreux. J'ai changé de coussin, t'as vu? Un chat. Changé. Le plus. Ok, c'est à gauche, très clairement. Et je l'ai rejoint un peu d'ailleurs à Pokémon Unite et c'était encore plus cool que... qu'avant. Et maintenant j'arrive à recomprendre comment on joue. Enfin, j'ai réussi à un près quoi. Le plus. Je pourrais jouer des heures à ce jeu de con. Gauche. Yes. Ah.
continue un tout petit peu, histoire d'avoir assez de matériaux pour faire des conneries. Pour trouver Gori, ça va. À gauche, très bien. Tant qu'il est au-dessus des autres, je le verrai tout le temps. Parce qu'il a pas la... Il n'a pas la même capacité capillaire pour se cacher. Ok, donc on va essayer de se faire un bâton, puis avec une peau. Donc pour l'instant, pas un bâton, un couteau. Pour l'instant, avec les couteaux, on a essayé que bâton. On va essayer les autres trucs. Que je suis bonheur que vu que c'est un truc qui combine plusieurs items, il doit être meilleur, il doit créer des items de meilleure qualité. J'ai oublié comment on faisait. Je crois que c'est Hoche. C'est caillou. Non, c'est bois et caillou. Non, bois et caillou, c'est tout. Ok, c'est bien ça. Bien continué, hein? Gauche. Couteau. Couteau et caillou, ça fait quoi? On va tester couteau et caillou, on va tester couteau et os. Charme de ferti... je veux pas savoir exactement comment tu le mets. Que c'est un os avec un couteau. Je veux pas savoir comment marche la fertilité dans leur monde. Ah, c'est caillou. C'est pour les plantes. Ah. Pour faire un burin. Couteau en pierre. Alors, j'ai fait ça, j'ai fait bâton, on va essayer avec peau. Je plante le couteau dans la terre et ça fertilise. Je suis pas une dryarde, du coup je ne sais pas. Une bande de cuir. Oh non, ça veut dire qu'on peut faire des trucs avec... Oh non. Faire des trucs en plus. On va tester. Non, d'abord on va continuer avec le couteau. Donc ça c'était couteau et peau. J'aurais peut-être dû directement regarder en ligne ce qu'il fallait faire, mais j'aime pas, je préfère découvrir moi-même. Couteau et peau c'est fait, couteau et pierre c'est fait, couteau et bâton c'est fait, couteau et os c'est fait, couteau et corne. Une coquille. Je veux pas non plus savoir comment ça marche. Ah et c'est peut-être pour Gori vu qu'il est qu'un, il n'a qu'un petit slip. Attends, c'était couteau et corne que je viens de faire. Hein. On va faire couteau et croc. Couteau et croc, et il manquera couteau et peau séchée. Une poignée de pierres piquantes. Ok. Alors je vais juste vérifier si on peut l'équiper ou si on peut la retransformer. Non, ok.
Bond est solide et fait beaucoup de choses, ok? On va aller re-récupérer des cailloux pour pouvoir... Ça gratte. On va récupérer 4-5 cailloux pour faire plein de couteaux. En vrai, j'ai plus besoin que de 2 couteaux. Et après, j'en ai besoin pour faire des bandes en cuir, donc j'en ai quand même besoin. Oui, là où il y en a le plus. À gauche. Clairement, là, aucun doute possible. Bâton, os, corps, mon cul, mes genoux. Okay. Je jure, à la fin, on va avoir un fusil de chasse, hein. Le moins. Je ne sais pas. J'aurais tendance à dire gauche, mais je vais dire droite parce que j'ai envie de faire chier loin. Ah bah j'ai eu raison. Pourquoi ? Je me dis soit con. Soit, j'accepte. On va retrouver Gohai. Ça, ça va. Ça, c'est le mini-jeu que je préfère. Oh ! Droite, ok. Super efficace comme truc. Je t'ai gardé parce que t'as des petites billes dans le corps, mais. Pour un nouveau mettre à jour votre identifiant dans un jour 22 heures. Wouhou. Non, un jour et 22 heures, ça fait dimanche. C'est à 15 heures dimanche que tu pourras le changer. Ok, c'est à droite. Vas-y, je te jure. Tu ne pourras le changer que à la fin du event. Ah bah, il fallait pas se renommer avec un truc bizarre aussi. Le plus. Pas ceux qui sautent, par pitié. Je ne sais pas, je vais dire à gauche. Comme il y a des différences de 1, parfois c'est super dur, je trouve, ce petit jeu. Je me suis fait eu. Par contre, quand il rit, ils me font peur. Hein. Tant pis, j'ai déjà acheté le t-shirt de toute façon, du coup, je vais pas donner chez les streamers. Ah bah bravo. De toute façon, moi, si je donne, c'est pas pour qu'il y ait mon nom qui apparaisse. Hein. Alors, on n'est pas censé donner pour avoir son nom qui apparaît. Censé donner pour la cause. Après, de toute façon, le t-shirt, techniquement, c'est quoi? C'est 25 balles, 30 balles? Moins la marge, ça doit... Enfin, moins le coût de revient de le fabriquer, ça doit revenir à 10 balles. Surtout pour le coup, un t-shirt ça te permet d'avoir
un truc, un mémorabilia, comment ça s'appelle, un souvenir. 31 balles donc pour le t-shirt, très bien. J'ai même pas encore vu les designs. Et il m'en faudrait deux. S'il vous plaît, mon très cher ami. Ah, et ça. Un logo que j'aime bien, ok. Bah l'important c'est que t'aimes de toute façon. C'est toi qui le porte. Ok. J'ai pas vu si on pouvait combiner deux fois le même item. Non, on peut pas, ok. Couteau et peau séchée donc. Première fois que je m'en prends, ok. Une armure cœur sauvage. Ça va être une bonne armure ça j'espère. Bâton, c'est bâton. Oui, tout à fait. Os, c'est os. C'est pour te dire en fait que c'est des matières premières. Tenu un couteau furieux. Alors, on va refaire un coutal. Ça, c'est pierre. Inscription, ça met dans l'ambiance. Ouais, je trouve aussi. Bah, c'est surtout le fait que ce soit écrit de manière assez primitive, du coup. Qui correspond vachement au thème du jeu. C'est bien. Alors, un coutal et une peau. Donc, j'ai testé absolument tout ce qui était possible de faire avec le couteau. Par contre, je suis pas sûr d'avoir testé tout ce qui était possible de faire tout court. Non, on va combiner l'os et la bande de cuir. Ça va prendre beaucoup de temps. Bah, un petit peu, mais. Un os de rage. Un peu le but en même temps. Le temps que moi je prends, les gens le prendront pas à tester. Enfin, le prendront pas à aller sur GameFAQ. Mais exactement. Je sais comment ça finit en général. Dommage qu'on puisse pas le faire en accéléré par contre. J'aurais bien aimé pouvoir en fabriquer en bulk. Je reviens, et bah à tout de suite. Couteau et peau. Bande de cuir. Je crois que j'ai pas testé encore corne et crocs réunis. Pas testé. Jolie fleur. Donc, bande de cuir et bâton. Après, on va faire bande de cuir et peau et après on va peut-être avancer dans le jeu. Fouet cinglant. Et non, un fouet sans... Enfin bref. Par contre, ça me fait que des armes. Ça m'inquiète un peu parce que j'ai que deux bras, en fait. Voilà. Alors, est-ce qu'on va les carry sur les autres parties? Je pense pas. Couteau avec la peau. Mmh.
Et maintenant, le couteau avec la peau. Attends, je l'ai pas déjà fait, ça ? La bande de cuir, je veux dire, avec la peau. Fourrure est douce. Ça va me faire une meilleure armure, j'imagine. Ou un bonnet. Une robe cœur sauvage. Il me semble que je l'ai déjà en plus, ça, non ? Ah, je suis peut-être assez con pour en avoir fait deux. Robe cœur sauvage, j'en ai qu'une, ok. Ah, j'ai fait une armure cœur sauvage, mais je sais pas comment. Bon, des couteaux font fouet pour couper. Bon, des os font fouet pour cogner. Bon, des bandes font fouet pour fouetter. En défense forte quand je suis tenu. Ah, des équipements que je ne peux même pas porter. Pierres sont pointues et percent ses pieds. Attaque, déposer des pierres pointues qui piquent les pieds pour électrifier le sol. Électrifier ? Oui, soigner PV tout en étant pas bien. De tous les états pas bien. En plus fort, plat de façon. Pas drôle pour danser. Youpi, il peut danser, danser, danser. Attaque, danser parmi les ennemis pour les affaiblir et les faire entrer en transe. Mais non, mais con, faut changer les équipements maintenant. Ah oui, ça me nique ma vitesse par contre. Parce que je ne sais pas encore si c'est utile la vitesse. Ah, le whippy whip, ça a pas l'air ouf. La coquille ainsi que charme de fertilité. Ah, ça me nique ma vitesse. Mais ça permet de heal, donc on va le garder. Yvelon. Laisser beaucoup de méchants avec boue surprise. Griffer un méchant. Soit je me casse, soit je finis. Et je me suis arrêté à la peau. Du coup, il me reste peau séchée, corne et crocs, je crois, pour... Ouais. Du coup, il me faut... au moins 3. Mes 3 couteaux. Ils vont se transformer en 3 bandes. Le moins. À la droite, celui-là c'est le plus simple. Dommage qu'on puisse pas aussi accélérer. Oh, on peut. Ah, on peut accélérer. Pas con. Je ne sache plus. Le plus. Bon, ça m'a l'air d'être parti pour être... à gauche. Hop, j'ai gagné. Il m'en faut encore une au moins. Non, on peut zapper la cinématique, c'est trop bien. Le gorille. Il est à droite. Mmh.
Merde, j'ai oublié de saper la cinématique. Hop. Voilà, j'en ai eu 3. J'en fais un quatrième pour avoir un stock de chaque quand même. Le plus. J'aurais tendance à dire à droite. Yes. Allez, on va se fabriquer les 3 items en plus avec la bande, le cuir, et on va voir ce qui s'y passe. Et après, on avance dans le jeu. J'aurais passé 40 minutes à faire ça, mais... Ouais. Non. Si. C'est caillou. Ouais. Pareil, on peut zapper. Gauche. Couteau. Oh. Bande et corne. Ah merde, je l'avais déjà fait. Ah, c'est pour ça qu'il faut que je les fasse dans l'ordre, les trucs. Popo. Et du coup, je l'ai peut-être déjà fait avec les... L'armure furieuse, là, je l'ai peut-être faite avec ça. Hop, cœur sauvage. L'armure cœur sauvage. Ah, ça me dit pas comment je l'ai fabriqué, putain. Il y a combien d'altérations et de dégâts dans ce jeu de mort ? On va voir. Non. La bande de pierre avec le croc. Collier de croc, ça je l'avais pas. C'est pierre, pourquoi est-ce que ça s'est décalé ? Parce que d'habitude j'ai un couteau ou une bande, ok. Et toi ? Tac, il me reste plus qu'avec la peau. Et on aura fait tout. Enfin, on sera sûr d'avoir tout fait. Enfin, avec la peau séchée. Ici. Tac, cœur sauvage. Qu'est-ce que c'est ? On va s'arrêter là pour le moment. Ah, personne ne peut l'équiper pour le moment. Nous verrons plus tard. Ça veut dire non. Ah, faut voir le vieux, d'accord. Chasser, manger, j'ai pas eu le temps de lire le reste. Manger, bouger aussi, non ? Un bâton. Ok, il fait peur, très bien. Cinématique. Vous pouvez chasser de la bouffe. Ah merde, non, c'est pas fini.
Là, c'est fini. Ah merde. Je vais y aller. Brisant Kikine, on va là-haut. Eh non. Ok, quand c'est bleu, c'est déjà visité. Ose me dire qu'il n'y a pas un truc de planqué là, sérieux. Cucu. Cinématique. Let's go! Laisse-toi. Ah, on est obligé de lui parler, ok. Ah, mais c'est bon, je l'ai déjà vu ça. Ogo, un adorable particulièrement développé qui lui permet de repérer le gibier et même les objets cachés. Appuyez sur Y pour révéler les odeurs à proximité. J'ai peut-être zappé la cinématique. Y. Il y a des totouilles. Lorsqu'un allié ou un ennemi prépare une action, une jauge de charge apparaît au-dessus de lui. Une fois la jauge de charge remplie, le personnage exécute son action. Au combat, vos alliés disposent des commandes suivantes. Compétences, effectuer des attaques, se soigner, etc. Objets, utiliser des objets dans votre inventaire. Passer autour d'un autre allié. Attendre, laisser les jauges de tout le monde se charger, fuir, tenter de s'échapper. Lorsque vous sélectionnez une compétence ou un objet, la zone d'effet s'affiche à l'écran. Vérifiez bien que vos cibles se trouvent dans la zone avant de valider. Lorsque les PV d'un allié tombent à zéro, il ne peut plus combattre. Vous devez alors lui redonner les PV pour le remettre sur pied. Si tous vos alliés sont neutralisés, votre partie prend fin. Si un allié neutralisé subit à nouveau des dégâts, il est exclu du combat. Le personnage exclu ne peut être soigné ou revenir au combat d'une autre manière. J'ai oublié d'utiliser une compétence du coup, je peux pas taper normalement. Oh, je l'ai plus le vert le bestiau. Eh cul de chèvre, j'étais en train de viser. Oh la petite griffouille. Et du coup il n'y a pas de notion de MP. Gagné! Ah, il a le fion qui gratte apparemment. Il a obtenu un cuisseau de viande. Du coup, je sais pas combien de cuisseaux je suis censé prendre parce que j'ai. Ok, c'est cul ça. Dans le. Ah merde, mais ça les fait reparaître à chaque fois.
T'as fini les 10 000 essais avec les items? Ouais, plus ou moins, j'ai fini ceux que je voulais tester. Et comme j'ai oublié les autres, heureux les simples d'esprit. Alors appuyer, si ça se trouve, c'est une question de distance. Ah, c'était une question de distance. J'ai tué des chiots aussi. Chiots sauvages, ils veulent ma mort, j'ai le droit. Vas-y, si. Ah, j'ai pas le choix, ils veulent ma mort. Faut leur dire de pas vouloir me tuer. Ok, l'autre attaque fait plus de dégâts. L'autre qui se gratte les miches encore. Celui qui est où, tout en haut. Y'a rien, ok. Ça change quelque chose si j'y retourne ou pas? Toujours le même, on est d'accord. Ah, ça me montre un truc en fait, je suis con. La réponse est oui. C'est par là qu'il fallait aller. Ah, d'accord. Merde, encore. Ses stats, très bien. Il y a level up. Attaque physique, défense physique, attaque spéciale, défense spéciale, vitesse, précision, esquive. Et à tout monter. MZLO est contre la violence contre les bébés chiens. Ouais, c'est un jeu vidéo. Partir de là, m'en fous. Ouais, mais ça reste un jeu vidéo. Qu'il soit mignon, n'y change rien. Ah, y'a un truc là. Y a pas faire des ennemis mignons. Bah c'est le but du... Enfin, le jeu est mignon en général, donc bon. Ok, là on voit son recto, donc c'est moins mignon tout de suite, mais... Je vais botter le cul, c'est le cas de le dire. Ils font des persos mignons, ils peuvent bien faire des ennemis mignons aussi. Il y a un truc là. Hop, que je n'avais pas vu. En fait, j'avais pas compris comment ça marchait.
pas le droit après je chouine parce que pas touche à la mignonnerie. Ah moi encore une fois je fais une très grosse différence entre ce qui est réel et ce qui est virtuel. Ça ne pose aucun souci. Ah non, je pensais que c'était la suite d'une cinématique, pas du tout. Cinématique a duré 12 secondes. Compatribue, jouer ensemble, ok. Je voulais rajouter les trucs que j'avais... Ah non, c'est tout. Ok, j'ai pas le droit à des chaussures par contre, apparemment dans ce monde. C'était plein, c'est vide. Ça se trouve, ils sont tous morts et on le sait pas. Il n'y avait pas de chaussures dans la préhistoire et il n'y avait pas de fouet non plus. Pourtant, j'ai un fouet. Les temps de chargement sont tellement courts que j'ai pas le temps de lire les trucs. Ah non, Gori va se barrer. Alors qu'il a un masque sur lui et je sais plus comment on le fabrique. Ok, donc on peut le suivre à la trace. Q-Q. Tu retournes sur Dreamlight, bah bravo. Tu es drogué. Les jeux comme Dreamlight, Animal Crossing et tout, c'est absolument pas pour moi. Je m'emmerde assez vite. Il y a que les Sims parce qu'il y a énormément de possibilités. Mais bon, au final, mon perso finit dans une salle de sport alors que IRL, on sait tous que... Ah, on pouvait faire comme ça. Fleur. Où est la fleur? Salaud. Juste dessus, je devrais pouvoir la trouver là. On va voir s'il n'y a pas d'autres odeurs. Ça c'est forcément gorille, ouais. Ok, en fait il t'indique juste que il y a un truc là-bas. Ok. J'ai vu un truc passer là. Okay, je peux pas. Ah mais je peux remettre ma gueule aussi.
Ah mais j'ai vu qu'il y avait un truc là. T'as caché ta tête, j'allais dire. Ouais, j'avais oublié. Il arrive tout le temps. J'arrive où il y a quelqu'un qui m'a piqué ma bouffe. Ah, ça sent la fleur, donc ça doit être la fille du chef ou un truc comme ça. Là. C'est peut-être elle qui porte un sac. Et ça vient d'ici. Et ça vient d'ici. Ça vient d'ici. Ok, mais je peux pas l'atteindre de suite derrière. Alors je veux pas exactement savoir ce qu'il lui faisait, mais... est-ce que j'ai de la bouffe ? Je vais passer un bâton. Aïe. Un os. Ok. Ça me les consomme ou pas? Non, ça me les consomme pas, ok. On peut tout tester comme un con. Même si ça doit probablement être une jolie fleur qu'il faut lui donner. Ah mais je peux peut-être aller ramasser la bouffe. Salut à toi Devoxys. Comment ça va-t-il? Aïe. Ah mais oui, il fallait juste aller chercher la nourriture. Un peu con. Buisseau de viande. Bah ça va très bien. Comme il y a le Z-Event ce soir, je me suis dit je vais streamer un jeu sympatoche. Je pourrais arrêter incessamment sous peu. M'éloigne du coup ? Revienne ? Non ? Oui, le Z-Event commence à 18h ce soir, c'est-à-dire dans 15 minutes. Je l'ai appris il n'y a pas si longtemps que ça. Et comme en général, quand il y a le Z-Event, il n'y a personne qui regarde d'autres chaînes. Je regarde pas particulièrement. Je connais pas du tout French Fuse. Il faut qu'il se calme, Gorille. Il a faim, je crois. Ah, voilà. Dommage que c'est plus pareil qu'avant le Z-Event. Bah, j'ai commencé à regarder il y a 2 ans, donc je m'en rends pas forcément compte. Je sais pas trop du coup ce qui a changé. Par rapport à avant, autant jadis. Ah mais elle est que niveau 1 elle, qu'est-ce qui se passe? Attends, tous les streamers disent qu'ils ont pas le temps. Ah mais ils ont jamais le temps. Je crois que c'est le principe chez eux. Je peux mettre ça. Oh, je peux équiper la deuxième main. Bête, ok.
Oui, il y a personne. Ouais, bah il y a quand même une cinquantaine de personnes là. Il y a des nouveaux, tout ça, tout ça. Je sais plus s'il y a Tonton, mais il y a genre Bagara, Orti qui était pas forcément connu jusqu'à présent. Par contre, il y a pas JDG, ça c'est très triste. Vu que c'est le seul que je regardais. Ah ah! Attends, j'ai trois persos, ça va être encore plus le bordel. J'ai pas vu ce qu'elle faisait, Gertrude. Et je regarderai probablement un petit peu, et puis après, bah je... Ah, on a les mêmes capacités. Pievelan, Pievelan. Après, un méchant avec un gourdin plein de fois, ok. Alors, peut-être MV vite fait, peut-être Tonton vite fait. Et après... Si niveau ambiance, ça m'intéresse pas des masses, bah, je restreamerai du Pokémon ou du Live is Live. Ok, du coup on la ramène là où elle était. Du coup, je vois pas pourquoi on s'est cassé le cul à y aller. Ah, c'est pour qu'elle se déguise. D'accord. Oui, y'a que des gens que je regarde, du coup je suis contente. Ah, moi y'a que des gens que je regarde pas quasiment. Moi, je crois que je viens de comprendre mes problèmes de PC. Je pense que c'est parce que mon processeur est un CPU de travail. Ça change pas grand chose. Normalement, c'est pas censé changer grand chose. En fait, il existe que deux types de processeurs. Il existe trois. Mais il existe les CPU normaux et les CPU de serveur. Genre les Threadripper. Ils sont pas pour des serveurs d'ailleurs, qui sont plus pour des machines de calcul. Donc il y en a trois. Serveurs qui sont tout pourris, normaux, qui sont ceux qu'on utilise. Et les CPU de calculateur, genre les Threadripper. Cache-toi. Parce que c'était un Ryzen 5 que t'avais, donc c'est normalement ça devrait suffire. Hein. Oh, il a défoncé. Ah, il lui offre son lit. Et pourquoi il a tabassé son pote s'il lui donne son lit? Ah d'accord. Ah d'accord. Donc ils ont décidé de pécho, très bien. C'est plus facile à la préhistoire. Faut surtout voir s'il est à jour ton CPU. Et ta carte mère. Qu'est-ce que c'est que cette chose? Ah, c'est Gori. Ah, les pauvres. Ah, quand tu t'attends pas à ce que ce soit un pote ou une pote qui te fasse un bisou, ça doit être très surprenant. Ouais, je me doutais que c'était là. Hein. Et pourquoi elle a changé de cache? Parce qu'il l'a harcelé ou quoi?
Et pourquoi il se fait tabasser? J'ai oublié de cacher ma tête. Ah bah oui, il y a de la viande qui a disparu. Et parce que c'est Gertrude qui l'a bouffé. Bon, je crois qu'on a compris. Il a faim. Qu'est-ce qu'il faut lui filer? Hop, toi tu me suis. La bouffe encore? J'imagine qu'il faut lui donner de la nourriture pour qu'elle vienne. On va tout tester histoire d'eux. Pas tout, non. Ah, en plus, elle a gardé ses équipements, cette gornium. Garde. Ok, mais du coup, je ne sais pas ce que je suis censé lui filer. Ça, ça rappelle les bonnes galères des vieux jeux. Ok, donc on va aller essayer de trouver de la bouffe, très bien. Et j'ai cru que c'était bon. Là, il y a toujours les trois clampins qui me filent des items. Non, c'est un tech 1, effectivement. À droite, les trois clampins. Clampins. J'ai le nez qui gratte. Donc le but, c'est de lui trouver de la bouffe, j'imagine. Coucou Blond, comment ça va? Bon, une fois tu peux pas te plaindre, j'ai rempli ton truc vachement vite. Parce que j'étais sur mon téléphone à ce moment-là. Ah oui, mais pour toi, c'est toujours le week-end, c'est vrai. Je vois des gens qui travaillent pour eux-mêmes. Je peux aller chercher de la bouffe. Là-bas, ok. Voilà. Attends, il y a un bébé mammouth? Oh. Bonjour. Est-ce que ça me touche moi-même? Ça, c'est la question. Non. Parfait. Là, j'attends qu'un client réponde à mon devis, du coup je peux peck sur l'autre. Ah, je t'ai vu jouer à l'autre, ouais. Je me suis tâté à l'installer et j'ai eu la flemme. Ça a commencé, et bah... pas plus tard. Espèce d'abandonneuse.
Motiver quoi, Kaza? Oh! Ils ont commencé là maintenant ou ils vont commencer? D'accord, il craint les kicks dans la gueule. La semaine dernière, on a commencé et même pas tu préviens. Bah bravo. Franchement, tu me déçois. J'ai pas de taper à côté. Ah non, c'est bon. Tout le temps sur les MMO, pardon, j'ai pas fini ta phrase, elle me semblait finie. Après, pied qui pue, ok. Je râle pas tout le temps, j'exprime mon opinion, ça n'a rien à voir. Toi qui râle d'abord. Après tu peux rejoindre, on est genre level 17, c'est rapide. Ouais, je vais le lancer. Je vais relancer l'install. Par contre, je pense que j'ai perdu mon compte. Bah oui, il y a le Z-Event. C'est pour ça que Daki s'est barré comme une lâche. Ah, je suis con, j'ai tapé à côté. Lance caca. Oui, c'est maintenant. Oui, elle a changé de pseudo. Elle avait changé suite à un truc sur un autre live, je sais pas quoi. Oui, il y a quelqu'un qui l'a renommé. Eh bah écoute, bisous. Et tu seras puni pour m'avoir abandonné comme ça. Salaud. Ah, c'est jamais, hein. Regarde, Daki, c'est vraiment barré. Normalement, chaque... Là, le jeu que je suis en train de faire, normalement, en 2-3 heures, je suis censé avoir fini un chapitre. Incessamment sous peu, ce sera bon. Je suis pas fan de ce genre de trucs, souvent chiant à regarder. Oui, bah ça dépend, après est-ce que tu aimes regarder. Je suis pas un... Je suis pas forcément le... Il y a des streamers que j'aime bien regarder, mais il y en a qui sont pas là. Donc... Malheureusement. Et oui, je trouve que c'est un peu relou parce que du coup il change de truc tout le temps. Ah, tu écoutes plus que tu regardes, je comprends assez bien, c'est ce que je fais aussi sur YouTube de temps en temps. Enfin, quand je bosse en tout cas, je ne fais qu'écouter. Ah mais j'en ai eu des cuisseaux de viande depuis tout à l'heure, je suis un teuteux moi. Ah, ça va des trucs. Un petit combat. Dans la gueule. Après oui, Twitch c'est plus un truc en toile de fond quoi, c'est pas... Tu vas pas le fixer avec tes petits yeux. Qu'est-ce que mort s'en suive, quoi.
viens de regagner 5 PM, je suis... Oh, il s'est step up de fou, lui. Tiens, mange. Iné. Pogo. Ah, mais il y a la fête de l'humain en même temps. Ah. Je ne savais même pas que ça existait encore. Mais il y a des streams pour la fête de l'humanité ? C'est pas évident, évident. Hein. Ah, il me gêne pour passer ce con. Ok. Allez, on va pouvoir lui filer de la bouffe à l'autre. Lui est là pour éviter que les mobs viennent dans le village, j'imagine. Donc on va aller nourrir la promise de Pogo. J'imagine qu'on va devoir se taper aussi contre le... l'autre clan là. Tu mets événement spécial, tu aurais peut-être des gens qui sont venus par réflexe. Ah mais j'aime pas être être racoleur comme ça. Ok, donc elle avait faim et maintenant c'est lui qui a faim, très bien. Elle va venir ou c'est Mayol elle ? Faut lui enfiler 3, c'est ça ? C'est comme dans les vieux jeux ? Ton jeu il a vraiment 30 ans. Le jeu de base oui. Et il a été remake. Merde, il fallait juste lui en donner un. Il a été remake il y a quelques semaines, quelques mois. Il était sorti sur Super NES à l'époque. Aïe. Ah bah lève-la les méchants. Ah oui, le mec qui est à pied parce qu'il s'était fait piquer son kart. Bon allez, on va aller voir le pire à feu. C'est les bras contre les roues ou... Salut Bad Boy, ça va et toi?
Non. Oui, un week-end. Faut profiter. Ah oui, bah y a personne de ça à part nous. Ah merde, ils ont déjà capturé la princesse. Rapide. C'est pas nous, je te jure. Ah, par contre, les rires, ils font flipper. Malheureusement, ce week-end, je suis occupé, mais... Je vais pas streamer. Ah si, quand même, il est déglingué. Elden Shoulders, là, il va s'en prendre plein la gueule. Peut-être un boss? Il aime bien de tabasser son propre pote, je sais pas pourquoi. Hop là. Raito. Ouh, ils sont nombreux. Guerrier cul. Faites dormir un méchant en agitant un gourdin. Ok. Et quel cul. Ah, c'est papier, c'est paix qui pue. Je viens de comprendre. Bim. Oh, la pute vert. Attends, mais y a pas le boss là en plus. Voilà, là je l'ai. Ah, pourquoi ça va pas lancer? Je vais gagner. Ah, elle s'appelle Peru. Prends soin. Ok, c'est le leader du groupe. Et après, il va falloir aller taper son papa, j'imagine.
Péter la gueule, moi. Je suis un ouf. Je connais pas. Bah avec tout ce qu'on a. En soin, ça a quelle portée? Okay. J'étais voir le signe d'Ava par acquis de conscience, bah c'est relou, ils passent leur temps à dire merci machin. Ah bah ouais, ils sont là pour ça en même temps. Bien résumer le principe. Le petit pu, bim. Piévelant. Ouais, il peut contrer le méchant. Et niveau animation, c'est là, je le trouve, de remercier individuellement les gens. Bah en même temps, c'est pour ça que les gens donnent. C'est plus aux gens que tu devrais te plaindre que parce qu'ils meurent, quoi. C'est ça qu'ils viennent chercher. De la reconnaissance pour avoir fait quelque chose de leur argent. Oh, il m'a défoncé. Aha! It's a win! J'ai failli perdre un perso, mais it's a win! Ça aussi que je regarde pas tout le temps. Ah, l'enfoiré, il nous a éjecté. Ça parce qu'on voulait protéger Gertrude. On va sniffer. Du coup, j'ai bien fait de fabriquer mes trucs chez l'artisan parce que je sais pas quand je vais croiser un autre artisan. Oula, c'est quoi ces merdes? Tigre et tigresse à dents de sabre, ok. Mais non mais... Ok, ça marche quand même alors que j'ai tapé pas du tout à l'endroit où il fallait. Ah, je lui ai fait peur en lui mettant un kick dans la gueule. Ah, c'est parce qu'ils prennent plusieurs cases. C'est ça. J'ai compris. Thank you.
Comment il peut rater le truc qui fait 4 cases de large? Il va le tuer. Là le truc quoi? Je sais pas. Est-ce que ça se mange? Mais gagné! Et on a tous level up comme des sagouins. Ah, peut-être que j'ai faim, mais moi aussi. Mais c'est mon état naturel d'avoir faim. Ok, mais j'ai pas forcément envie de tuer des mobs, j'ai envie de récupérer des items. Voilà. Ah, d'ailleurs, je sais pas ce que je mange ce soir. J'ai oublié. Un bison. Putain, j'espère. Pierre épique. C'est un méchant avec des vignes, il est piqué. Ils ont un humour, les devs. Oh. C'est mort. Beru, elle va level up bientôt. Et d'abord, je vais récupérer mes items. Voilà. Pourquoi il y a des mouches, là? Okay, c'est juste du décor, très bien. Merde, il y a le truc qui s'est jeté sur ma gueule. Mais en plus, t'as... Oh, elle est énorme la bestiole! T'es résistant, merde. Comment tu peux rater un truc qui fait 8 fois ta taille? Ça a de la vive en plus, ces merdes. Chant soin. Il a réussi à guérir par le pouvoir de l'agitage de groupe. Est-ce que cette fois tu touches? Ah, quand même. Poison comme ça, voilà. Il va me le buter, je pense. Largement. Du coup, je vais le chance pointer. Ceci se refait toucher, il meurt pour de bon. C'est un peu comme dans Donjons et Dragons. Quand le mec est à terre, tu peux le soigner. Mais s'il remeurt, il meurt. Comment ça, il se heal en plus? Voilà. Ah. J'ai appris une nouvelle attaque encore. Oh, il y a un système de jour-nuit dans le jeu. Voilà, c'était ça que je voulais. Je sais pas ce que c'est parce que j'ai zappé trop vite. Mais... Pourquoi j'ai retrouvé des Sniffma? Ok, il y a des moins. Un truc là-bas. J'ai vu ce que c'était parce que je suis idiot, j'appuie à chaque fois. Énorme cuisseau de viande. Ok.
Ok, donc ça devait être de la merde, très bien, ça devait être un énorme cuisseau de viande, je pense. Ah. Oui, il pleure, ça c'est bien. Sauf que ça renforce l'huile, mais je suis pas sûr. Enfin, peut-être que je l'équipe du coup, espèce de con. La jolie fleur, pardon. Immunité au sommeil. Je pourrais avoir une meilleure défense, mais être tout lent. Elle aussi, elle a la masque rieur. Donc là, ça doit être pour dormir, j'imagine. Il manque un œil? Ah non, c'est juste qu'il a une mèche. Mais qui va être abandonné? Ah, comme ça, il laisse la porte ouverte et on sait où aller. Pas con! Ah non, la porte est refermée. On a compris qu'il voulait pécho. Elle a faim encore? D'accord. C'était dégueulasse. Il va se prendre un coup, je pense. C'est assez amusant la façon dont il gère le storytelling du coup sans dialogue. Et donc là, il est en train de rêver, je pense. Encore eux? Sérieux? Il fait quoi avec ses mains dans les hautes herbes? Je veux pas vraiment savoir. J'ai bien eu des idées, mais elles sont déplacées. J'ai l'impression que je peux le perdre si je le réveille pas. Ah bon, bah apparemment il veut pas venir. Faut dire qu'on l'a tabassé. Hmm.
Il veut me 1v1 pour l'honneur ou... Apparemment oui. Bien soit. Unité spéciale. Alors, Yuki saute, c'est quoi? Frapper un méchant, on saute au-dessus. Et qui pue. Boum. Vraiment que j'arrive à me foutre dans un angle où il peut pas me toucher avec sa merde. Un autre Peki plus. Il est pétoman donc. Oh, paralysé. J'ai envie de tester cette attaque pour voir. Ouh, ça fait mal. Ah mais ça me nique moi. Je crois que je suis hors de portée de sa personne. Ah oh, idiot bête, putain il a encore raté. Ouais c'est triché ouais. J'admets volontiers. D'un autre côté, ça marche. Vous avez gagné! J'ai pas gagné d'XP, j'ai pas gagné d'item. Oui, va chercher ton pote que t'as tabassé il y a 10 secondes. Il sera ravi de t'aider, je suis sûr. Ah bah c'est une technique comme une autre. Il a pris sa revanche. Artisan fort. Pas le temps de lire parce que le jeu charge trop vite. Piège à con. Ce rire des enfers. Et l'autre qui est toujours baisé, qui court derrière tout le monde. En plus en portant Gertrude. On est encore dans les hautes herbes. Attends. J'en sais rien de par où faut aller, moi, Michel.
Ça doit être gorille hein, dans sa... Mais... Oh, la manipulation du flou. Gestion de divers plans et tout. Comme si c'était un jeu vidéo récent. Elle va avoir la tête de gorille. Ah, c'était obligé. Ok. Comment on remonte? On peut taper. Je sais pas quoi ça sert. C'est un cuisseau de bouffe. Ok. Ah. Pourquoi ça sent la mort? Et c'est blond encore. Top joueuse. C'est quoi cette merde? Putain, un croco qui fait 6 pas... qui fait 9 cases quoi. Là, prends mon caca et mets-le toi. J'ai peur. Ouh. Il y a la musique de Tropico. Ouais. J'ai aucun souvenir de la musique de Tropico, donc on va te faire confiance sur parole. J'ai pas joué depuis longtemps à Tropico d'ailleurs. Alors que j'ai le 6, j'y ai jamais touché. Pour sortir le 7, j'aurais toujours pas joué 6. Mais qui schlingue. Ah, parce qu'on peut aller par là du coup. Bon, on va y aller après. Bon, on check le reste. Ok. Ok. C'est tout du coup, il y a que des mobs. On s'en fout. Ah merde, j'avais oublié qu'il y avait un mob ici. Mon dieu! Pourquoi il y en a 12 000? Ça te coûte. Mais ils font mal en plus. Ils sont dingues. Pense caca. Malveillance, ça fait zéro dégâts. Non, si. Oh, c'est un paix qui pue encore. Et zéro. Et en plus, il s'est suicidé.
Balancer le caca. Un jeu pour adultes. Oui. Je vous jure, c'est un jeu mature. On jette du caca sur ses amis, mais c'est un jeu mature. Ah voilà, il suffisait d'insister un peu. Alors, comment on passe sans tomber dans le trou? Ok. Oh, il va sauter, il va me déboîter. Quoi? Ok, ben. Le connard, il a fait le tour. Comment il a fait? On level up comme un con, mais j'ai pas envie. Je veux juste m'amuser, moi. En plus, je ne sais pas si... Merde, si ça apporte quelque chose de level up. Eh, je les connais pas, eux. Ça touche les deux. Oh. Ah, je l'ai empoisonné. Un pet fulgurant. Il y a moyen que je puisse le faire IRL. Montrez derrière. Montrez derrière à plein de méchants et faites un gros pet qui fait mal. En charge, cours, dégâts moyens. C'est dégueulasse. Il va me le fumer encore. Il se fait défoncer en 2-3 coups, quoi. Encore un paix. Peut-être mourir ici. Je vais peut-être perdre. D'ailleurs. Ah mais ça fait zéro dégâts ça. Si ça l'avait fait reculer, ça aurait été bien, mais... Ah, bon, bah lui, il est mort. Pour de bon, cette fois. Alors, pour de bon, oui ou non, je pense qu'il revient à la fin du combat, hein, mais... Ah, j'espère. Sinon, je suis dans la merde. Aïe. Un paix. Voilà. Ah, évidemment, c'est pas moi qui ai rajouté la censure. C'est pour l'aspect comique du jeu. C'est bon, il a repop. J'ai eu peur. Ok, bah si c'est que des bobs comme ça, on va peut-être éviter. Hein. J'ai des items en fait.
Un cuisseau. Ah, j'ai oublié de demander à Blond quelle classe il joue. Zut. Là, il s'est barré, ce salaud. Comment on s'enfuit? Oui ou pas? Bien. Est-ce qu'on va se faire déboîter sinon? Ah, c'est un fabricant encore. Okay. Bah écoute, j'ai rien à te demander. Mec qui dort, on va faire le tour. Il y a des trucs de cachés. Apparemment non. Ah, on est obligé de passer par lui. Qu'est-ce que c'est que ces choses? Ah, c'est des gorillettes. Ah merde, on peut bouger. Ah, il est bugué, d'accord. Enfin, pas le jeu n'est pas bugué, hein, c'est le personnage qui... Il y a eu un coup d'hormone. Ah, il vient de défoncer le mec. Il a défoncé tout le monde pour aller chercher les gorillettes. J'aurais pas dû aller là. Je pense que c'est pour te dire de pas aller par là. Ça aurait été l'autre avec son, avec ses proutes. Il aurait pu les en fumer plus, mais là... Ah, j'ai récupéré un coutal. Lui, apparemment, il a récupéré un ARM. J'ai envie d'aller par là, mais je pense que c'est une mauvaise idée. Bon, il y a les symboles de tête de mort, ça me paraît être une idée de merde. Je risque de tomber sur le boss sans avoir gorille. Un os. Et un bâton. Sauvegarder avant. Au cas où. La gueule, voilà. Oui. Ok, il a deux fois plus fin. Sachant qu'il veut son aide pour aller choper lui sa nana. Ok. Ils font tous partie de l'équipe? Non. Oh, ça aurait été si drôle. On a 16 persos. Et Poppy d'où elle? Non, des méchants! Ils sont crus dans Splinter Cell ou quoi? Comment tu veux que j'esquive ça?
Double kick. Il est mort. Et un prout. Et du coup, si t'avais pas entendu, bon, je demandais à quelle classe vous jouez, que je joue pas la même. Je pense que je ferai un nain, comme d'habitude, mais... Ah, il y a ces gorillettes. Je pense que ça, ça va être la fin du... chapitre, mais je suis pas sûr. On va aller leur casser la gueule. Bonjour. Attends tellement, est-ce qu'il y a un dinosaure qui sort du truc par terre là? Enfin du trou quoi. Pour aller nous boulotter. Est-ce que je peux le taper l'autre? Apparemment non. Alors à cette distance, je sais qu'il peut pas contrer. Sa portée, c'est 3 cases. Par contre, ça va me faire chier. Voilà pourquoi. S'il fait plus mal que moi. Ah putain. Ça touche pas. On va tenter fait dodo. Ça n'a pas marché.
paix céleste. Il a bien évidemment raté parce que la vie me déteste. Deux fois, mais il saute de ma gueule ou... Ça l'a pas fait reculer. Du coup, il va me counter. Je crois que je suis mort. Ouais. Mais évidemment que j'ai perdu, le jeu il me troll aussi. J'ai raté 4 attaques. Ah merde, il y a une vraie suite. Ah non. Chargé. Sauvegarde auto. J'ai cru que le jeu il m'avait dit fuck. Non, c'est juste qu'il se moque. Alors ça, on l'a vu. Un grand coup dans sa gueule. Là, faut le faire à répétition. Gaga. Ah, sauf que là, ça va pas faire reculer, du coup, il va me défoncer. Voilà, il m'a quasiment tué en deux coups. Ah. Je me doutais qu'il allait avoir une arnaque. Elle va peut-être nous accompagner. Ok. C'était à ça qu'ils faisaient des sacrifices, du coup. C'est Oolong. Mais il pouvait pas m'aider, l'autre. Oh! La saloperie. Oh, ça a de la vie en plus. T'as pas de faiblesse, pas de résistance, et ça a 1000 PV. Autant te dire que c'est mort. Il va me one shot, je le sens. Ah non. Faut que je me déplace d'une case. Ah
dégâts à cause du poison. Alors, qu'est-ce qu'il peut faire? Point blanc, blesser un méchant. Et réaction, rendez coup de pied méchant avec copain lézard qui lance des pierres. Vol lézard, vol. Blesser un méchant avec copain lézard. Pied blanc dans la tête. Blesser un méchant avec gros coup de pied. Pousser et blesser un méchant avec les fesses. Coup de pied QQ. Attaque, réaction. Entrée derrière, plein de méchants, effet de bobo avec gros coup de pied. Okay. Il a repris cher dans sa gueule. Alors, ça fait quoi? Altération. Ok, ça fait plein de choses. On va faire ça. On n'a pas casé une seule alté. Il va me défoncer. Il vient de one-shot mon healer. En beaucoup de PV aux alliés d'une zone et supprime toutes les altérations d'état négatif. Ah! Une quantité modérée de PV améliore tous les attributs. Je pense qu'on va partir là-dessus. Ok, farpé. Vol, lézard, vol. Marchouille! J'ai pas encore eu cette attaque. Ok, ça fait mal. Ok, j'ai réussi à lui baisser une stat, mais il va me tuer, je pense. Voilà, bien malgré moi. Déplacer, comme ça je suis au milieu, et puis je vais faire un petit chansoin. Buff d'attaque, ça fait toujours plaisir. Belle one shot. Ouais. Un prout. Ça l'a fait reculer. C'est pas forcément une bonne chose hein, parce que j'étais bien positionné. Je reste mon poteau. Vol lézard vol toujours. Je le fume avec vol lézard vol depuis tout à l'heure là. Ok, donc il a décidé de canner à chaque tour. Un prout. Oh non, il va mourir pour de bon là. Bon bah on est dans la merde. Mon tank DPS vient de mourir. Ils viennent de se battre au cac. Je pense qu'elle va mourir instantanément, évidemment. Non, menu, objet, énorme cuisseau de viande. Comme ça, on la raise. Vol lézard vol. Et normalement, au prochain vol lézard vol, je le tue. Bon, elle est mort instant. C'est bon, je me suis pas gouré d'attaque.
était dur, ce boss. Il est arrivé comme un cheveu sur ma gueule et... Ah, je me disais bien que c'était la fin. Alors, c'est pas la fin du jeu, hein, c'est la fin du chapitre. Ils se prennent une bonne tranche de LOL pour la fin. Oula, qu'est-ce qu'ils vont faire? Oh, le pauvre. Ah, bah, pas si pauvre que ça. Ama? Ama? Je pense que... C'est relativement clair. Il joue au pouilleux. Pouilleux massacreur, évidemment. Deux des chapitres terminés ont été créés. Deux des existantes dans le placement sélectionné sont écrasées. Partie sauvegardée.
jukebox a été déverrouillée. Nouveaux morceaux ont été ajoutés au jukebox. De nouveaux conseils de jeu sont maintenant disponibles. Donc, terminé, niveau 6. Et du coup, on va s'arrêter là. Et on se retrouvera plus tard. Je vous fais des bisous.